On y est. Tu as réalisé un rêve de gosse. Une mobilette, du soleil, du sable et quelques litres d'essence. Tu sens bien ce ride pour l'Alsace. Salut tout le monde, c'est Tristan. Et voilà, on y est, Marrakech. Je me suis équipé d'une petite monture locale. Demain, je pars dans l'Atlas à la découverte de la culture berbère. Tu me suis ? Allez, viens ! Je vais quand même me regarder avec les gens du coin, histoire de voir ce qu'ils pensent de mon affaire. Salam alaikum ! Salut Tristan ! Comment ça va ? Ouais, ça va. Bienvenue au Maroc. Salut. Tu vas bien ? Ça va super, ouais. Salut Ismaël. Bien arrivé ? Ouais, bien arrivé, ouais. Tu pars dans l'Atlas avec ça ? Je pars dans l'Atlas avec ça, c'est parti. C'est cool. Qu'est-ce que tu en penses, Ismaël ? Bah, je pense qu'on a mieux pour lui. Hein. Je pense qu'on a mieux pour lui. Vous avez mieux pour moi ? Ouais. Mieux que ça ? Ouais. Oh. Je profite de l'amabilité de nos amis marocains pour recevoir un max de conseils avant de prendre la route. La voilà ma monture, la moto de choix pour une aventure à la découverte du Maroc. Les Berbères sont les premiers habitants du Maroc et les Berbères sont les premiers habitants et les Arabes sont arrivés en conquistador et ont repoussé les Berbères dans les montagnes. Okay. Voilà, donc on est un peu les Berbères sont un peu les Apaches, les Indiens et les autres les Cowboys. Ah. Donc t'as le Cowboy là et t'as l'Apache là. Allez. Bon, il m'a intrigué Abdou avec cette histoire d'Apache et de Cowboy. Allez, je fais les derniers réglages de ma Royale avant le grand départ. Je reprends une dernière fois mes itinéraires et mes routes de secours parce que je m'apprête à partir pendant la courte mais dangereuse saison des pluies. Je te confie les clés du bonheur, je te prends la clé. Bon voyage, merci. L'Atlas, ce vieux massif montagneux, sommet des cieux chez les Grecs qui parcourt tout le Maghreb de la Tunisie au Maroc. Il sépare les plaines fertiles de la côte de l'aridité extrême du Sahara. Perché au sommet de ces montagnes, du Haut Atlas à l'Anti-Atlas, vivent les Berbères, peuple originel d'Afrique du Nord. Ils ont la réputation d'être fiers comme personne, mais d'ouvrir leur cœur à tout voyageur qui saura se montrer digne de leur confiance. J'ai de plus en plus hâte de découvrir les merveilles qui m'attendent de l'autre côté de cette montagne. Mais comme tout massif montagneux, on ne peut pas y rentrer partout. Pour y parvenir, je décide d'emprunter le col du 6ème test. Ce qu'on voit là derrière moi, c'est la vallée de Sousse. C'est la vallée qui abrite Taroudan. Et au fond, là-bas, on peut distinguer l'Anti-Atlas qui se dessine. On va pas tergiverser. C'est clairement le paradis de la moto. Ah oui, petite précision pour les leftards, le Maroc est un pays musulman. C'est incroyable ces pistes parce que tu vois on est quand même sur un endroit qui est vachement reculé et mine de rien la piste elle est quand même vachement praticable quoi. Alors c'est sûr tu t'amuses, il y a des bosses, des petits passages de guet, mais ça reste vraiment accessible et super fun quoi. Voilà là on grimpe, on arrive à la gadire de Tazguen. C'est un grenier fortifié qui était construit par les Berbères quand ils ont été chassés de la plaine par les Arabes. Ils sont venus se réfugier ici, dans la montagne, sur les hauts plateaux. Ils ont construit ce genre de forteresse pour protéger leurs moissons,
leur récolte et leurs biens. On est au jour 3 de la reco. On est à Tafraout, superbe ville au milieu de cette plaine de Tafraout. Donc ici, c'est une ville qui est le berceau des Cheleux. C'est une tribu berbère. Et là, je vais me rendre dans un petit magasin de babouches pour aller me trouver des babouches à bourron, qui est une spécialité berbère de la région. Et j'espère qu'ils vont ma taille en 45. On va voir. Salam alaikum. Ouais, on est avec les motos, la baisse. Ça va, ça va. Salam alaikum. Ça va, ouais, on est avec les motos. C'est la belle babouche, ça. Ouais, c'est les mêmes aussi. Ça, c'est une 45 ? 46. Je les essaye ? Ah, je suis bien, là. Confort, en plus, hein. Ouais, elles sont bien. Je te prends cette paire ? Allez. Eh, ils sont pas mal, non? Là, on est dans le thème, chouf. Chaussé comme un nomade, je progresse encore un peu plus dans l'Atlas qui m'offre des spectacles de plus en plus époustouflants. C'est vraiment un bon. Tristan? Mohamed. Ouais, j'ai au fond de la France. La France, ouais. Ouais. Ça m'apparaît comme une évidence maintenant. Je comprends mieux pourquoi je suis pas le seul à avoir fait si long voyage. Bon, on m'avait prévenu qu'avec les grosses pluies des derniers jours, les rivières, donc les ouettes du coin, ils avaient débordé. Et effectivement, on s'en rend bien compte. Donc voilà, la route a été un peu emportée à certains endroits. C'est assez impressionnant quand même. Bon, la route est encore praticable. On va continuer, on va voir ce que ça donne un peu plus loin. Donc ça reste fantastique. T'es bien caché celui-là. Préparation Maroc. Ça va, cool. Préparation Maroc. De mes voyages, on m'avait parlé d'un village perdu au milieu du désert. Une jeune femme berbère se bat pour que son village conserve ses traditions millénaires. Elle se bat aussi pour que les femmes aient plus de place. C'est d'ailleurs la première de son village à avoir fait des études. Une révolution dans les villages du Maroc reculé. Elle est aujourd'hui respectée par tous. Le combat fut long. Elle s'appelle Aïcha. Elle a 28 ans. On est à Assabar, c'est à côté d'Aguinen, et on est à peu près de 800 habitants. Ah oui, et en plus de tout ça, Aïcha a fondé la première école pour les enfants de sa communauté. Je lui propose alors de m'accompagner pour une balade. À une seule condition, qu'elle passe le test du démarrage au kick. Ouais. Yes. Ah, c'est bien ça. Tu sais que ça m'a mis longtemps moi à apprendre. Hein. Ah ouais, j'ai mis plus longtemps que ça.
Yalla, il est temps de repartir si on souhaite créer un bon itinéraire avec une tête ride. Vous savez, les voyages à moto de caractère. Et là, à la piste, pour rejoindre la route, du caractère, elle en a. J'enregistre les points GPS pour me souvenir de l'itinéraire. Si jamais la piste s'avère être bien, comme ça on pourra la reprendre. J'arrive à Aït Ben Haddou. Ancienne ville caravanière, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est caractéristique de l'architecture du sud marocain. À quelques kilomètres de Ouarzazate et de ses plateaux de tournage hollywoodiens. C'est ici qu'ont été tournées de grosses productions comme Gladiator ou Game of Thrones. Ok, alright. Comme ça. Ah, comme ça, ouais. Une des merveilles du Maroc. Moi, je file vers la ville de Tinré. J'ai rendez-vous avec mon pote Mamadou et ça s'annonce rock'n'roll. Mais avant, un petit arrêt au stand. Ne serrez pas vos bougies comme des bourrins, ça ne sert à rien. Ça ne fera pas avancer votre Royal Enfield plus vite. Ouais, il marche. C'est parti! Une fois les petits caprices de ma Royal passés, les bougies décrassées, je peux me préparer pour la course. Mobilette contre boulette. Yalla! Yalla! Qui gagne? Et enduro, super. T'es un pilote. Inch'Allah, ouais. Toi, tu conduis bien, hein? Un chamelier. Quand j'ai l'essence, ça va. Mamadou, Berber. Franchir le Haut Atlas, d'est en ouest, pour rejoindre la vallée d'Azilal, puis la plaine de Marrakech. Les paysages hétéroclites que j'ai plein la tête me confirment dans l'idée que le Maroc regorge d'endroits à explorer. Partout où je suis passé, j'ai été frappé par l'hospitalité de ce peuple fier. Et le ride, des routes de montagne sinueuses aux pistes perdues. Je pense vraiment avoir là tous les éléments en main pour monter un itinéraire digne de ce nom en Royal Enfield. Salam alaikum. Me voilà rentré à Marrakech, après 2 semaines de roco, plus de 2000 bornes qui m'ont emmené à travers l'Atlas, le Haut Atlas, les plaines de la vallée de Sousse, Taliouine, Aït Ben Haddou, les vieilles Casbah, les oasis verts à n'en plus finir. Donc la boucle est bouclée. En gros, en marocain, ça veut dire que ce voyage il a été génial. Qu'on a eu la chance de découvrir la culture berbère et son hospitalité légendaire. Maintenant, moi, je vous attends au Maroc. À très bientôt, Inch'Allah.
Ah, une main dans le sable.